Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir pour tester... putain, il y a déco. Pour tester la carrière fleuriste de... Ouais, c'est le pouvoir des fleurs. Pour tester la carrière fleuriste de la donne saison. Donc... Eh ben écoutez, on va pouvoir tester ça avec une nouvelle petite simset que j'ai créée ce matin. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir faire le live, hein, parce que quand j'ai voulu allumer mon ordinateur il y a environ 35 minutes, j'arrivais pas à me connecter en fait, à ouvrir ma session, parce que j'ai eu la bonne idée de faire une mise à jour Windows, n'est-ce pas ? Erreur fatale, puisque en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais maintenant, pour rentrer dans la session, il y a deux moyens, soit un code PIN, soit le mot de passe. Mais ça, ils m'ont pas prévenu, je ne sais pas exactement quel est mon code PIN. Donc, j'ai voulu taper mon mot de passe et il n'y avait que mon clavier numérique qui marchait. Alors, j'ai commencé à me dire que j'avais foiré, enfin que mon clavier était mort. J'ai essayé avec le clavier visuel, ça marchait pas. J'ai branché un autre clavier, ça marchait pas. J'ai dit, je deviens folle. Les chiffres, ils marchent et les lettres, ils marchent pas. Et en fait, voilà, fallait appuyer sur une option pour repasser en mode mot de passe. Donc, je remercie les gens hyper intelligents qui font des mises à jour chez Windows, mais il faut arrêter de faire de la merde parce que... Voilà. Et puis après, bah, quand j'ai réussi à me connecter, OBS avait disparu de mon ordinateur. Disparu, t'es plus là. Donc, je l'ai dû le retélécharger. Je pensais que j'allais devoir tout reconfigurer. Et en fait, allez savoir pourquoi, une fois que je l'ai réinstallé, j'ai récupéré tous mes réglages et tout, comme d'habitude. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol des mises à jour Windows et je pense que je ne les ferai plus jamais de ma vie. Enfin bref, Donc, j'ai réussi à démarrer le live, je suis ravie, on va pouvoir y aller. Oui, je suis toujours là, bah, je pourrais, si tu veux, pour découvrir une carrière de fleuriste, la déesse du printemps et des fleurs était obligée d'être là. Promis, après je lâche la couronne de fleurs, je la mettrai plus. Et puis voilà. Ah bah tu vois, ah toi tu utilises le... Mais moi je connais même pas mon code en fait. Je connais que mon mot de passe, enfin bref. Bon, on va pouvoir y aller. Donc j'ai pris une simset. C'est pas tout à fait une inconnue quand même, contrairement à ce que pensait Missing, elle n'est absolument pas affiliée à Dawn. Mais disons que la dernière fois que vous l'avez vue, elle était pas rousse et brune. Et elle jouait dans la boue avec son grand frère. Voilà, donc je vous laisse deviner qui est-ce. Et donc je l'ai mis dans une petite maison que j'ai pas créée du tout, hein, que j'ai récupérée sur la galerie. Et à laquelle j'ai ajouté une magnifique serre pour pouvoir monter sa compétence. Moi, j'utilise mon Apple Watch, mais j'ai pas de Mac. Hein. J'ai un beau PC Asus de chez, voilà, enfin, Republic of Gamer de chez Asus. Et puis voilà, je suis pas comme ça, je lâche mon jeu pour stream quand même. Et coucou, coucou Paper, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Donc on va y aller, on va lui trouver un métier à cette... À cette jeune fille. Donc c'est une toute petite maison. Hein, vraiment. Ah oui, je voulais enlever l'argent parce que j'ai fait Motherlord pour pouvoir construire comme je voulais. Mais on va quand même partir. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je voulais pas faire ça. Reviens. Money. On va se garder quand même un peu de sous pour acheter les graines et tout ça. Ah, ça n'a pas marché parce que je suis pas en code. Tu n'as rien loupé, Ange, si ce n'est mes péripéties qui ont failli me coûter le live parce que j'arrivais pas à... Non, je vais pas faire Motherload, je vais virer l'argent en fait. Ah oui, non, je dis que ça marchait pas. Money. Allez, 200, c'est bien. Voilà. Je peux faire une remarque sur le CS de saison. Bah vas-y, fais une remarque. Qu'est-ce qu'il y a? Et coucou Luciole. Donc ensuite, bah, on va déjà se trouver un métier. Donc je l'ai mis à Brindleton Bay parce qu'on n'avait pas encore. Voilà, on l'a pas encore vu au fil des saisons.
Et je l'ai mis au printemps, parce que pour les fleurs, c'est plus facile. Allez, on va aller démarrer la carrière. Trouver un emploi. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, hein, je l'ai vu, je l'ai retweeté, du coup, j'ai pensé à toi tout à l'heure. Pourquoi tous les mecs ont des tongs avec des chaussettes en vêtements chauds? Je ne sais pas. Parce que les mecs de chez EA adorent les tongs avec chaussettes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez. Donc, elle va appeler. Et elle va se trouver un métier. Donc, je pense que j'ai réfléchi entre botaniste et fleuriste. Et je me suis dit qu'on allait plutôt partir sur fleuriste. Et on prendra, hein, peut-être on testera après une autre fois sur botaniste. Allez, on va être aux jardinières. Enfin, designer floral, quoi. Atteindre le niveau de la compétence jardinage, récolter des produits. Acheter des graines. Ok. Il me faut acheter des graines. Est-ce que je peux les acheter sans ordinateur ? Je sais pas. Ah si, en cliquant sur les machins, je crois. Oh, merci Alexandre, c'est trop gentil. Je viens juste d'arriver. Oh, c'est gentil, Ange, merci beaucoup. Je crois que la carrière est buggy. Si elle est buggy, alors. Alors, combien ça va me coûter tout ça? Cher, j'imagine. Ah, presque tout mon pognon, quand même, hein. Je sais pas si ils vont pouvoir faire plus buggy que la carte de détective. Non, mais elle est pas buggy, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc on va ouvrir les graines et puis elle va aller planter tout ce qu'elle a. Ça va être bien. On a tout ouvert, on a tout... On n'a pas tout ouvert, ça on n'a pas... Allez. Écoute, tu vas en mettre là, tu vas en mettre là. Normalement, j'ai tout espacé, donc ça devrait pas poser de problème. Merci, Luciole. Ah, peut-être pas mettre tout le basilic non plus, parce qu'il y en a beaucoup. Hop. Et que j'aimerais bien mettre un petit peu de tout. Oh, celui-là, je sais pas si elle va pouvoir le faire avec la... On va aller voir. Une banane. Il y a la... Oh ! La banane ici, il n'y a pas de pomme ? Non, il n'y a pas de pomme ce coup-ci. Ok. Des carottes. Tiens, déjà, viens planter tout ça, va. Voilà, planter... Planter des fleurs aussi, parce qu'à la base, elle est censée bien les fruits et les légumes, mais son job, c'est fleuriste quand même. Des raisins, je crois pas qu'on en ait planté. Allez, hop, hop, hop. Oh, les herbes à chat, tout ça, je suis pas sûre. Bon, allez. Si je travaille de... Alors, attendez, oula. Ouais, en route pour les 300. Écoute, oui, j'ai mis 300 et j'ai mis un gros délai parce que, bah, comme je pars en vacances dans une semaine, on va pas se mettre pour fin juillet, hein, sinon on n'arrivera jamais. Si je travaille depuis la maison, mon Sims gagne 10 Simflous par jour. Bah, ne travaille pas depuis la maison. Attends. Alors, non, j'ai pas fait une starter. J'ai téléchargé une petite ferme, enfin une petite maison toute simple. J'ai fait une grande serre, je lui ai vidé tout son argent. Et on va pouvoir se lancer. Merci Lucie pour l'hébergement. On va donc tester la carrière jardinage du début jusqu'à la fin, peut-être. Peut-être pas ce soir la fin, mais on verra. Et voilà, tester un petit peu la nouvelle carrière jardinage. Et merci pour le bits Alexandre. Bonsoir Zante. Merci Edev pour le follow. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Désolée si j'oublie des choses dans le chat. Ça vous allait beaucoup trop vite pour moi ce soir. J'arrive plus à suivre déjà. Et il est que 21h39. Ça va être sympa. Alors, j'ai peur que les petits pois là-bas n'y arrivent pas. À cause de la... Des...
de la ruche. Bah oui, ne travaille pas depuis la maison, mais si le jeu le propose, ça doit marcher. Oui, bah, je ne sais pas, tu vois, je teste aussi. Et genre, tu remercies pas mon beat ? Ah bah oui, non mais attends, ça arrive, mais j'avais beaucoup de choses à répondre, donc j'ai suivi dans l'ordre. Alors, est-ce qu'elle va arriver à planter ? Oh, c'est bien, les abeilles qui vont s'occuper de mes fleurs, c'est magnifique. Est-ce que tu arrives à choper ? Non, tu n'y arrives pas, c'est bien ce que je pensais. Hop, on va le mettre là, tant pis, on condamne. Peut-être on pourra décaler les... On décalera les bacs après quand on en aura besoin. Bon, bah on va la laisser machiner. Il faut qu'on arrive au niveau 2, hein, c'est ça. Voilà, compétence jardinage niveau 2. Bon, bah là, rien qu'en finissant de planter tout ça et en arrosant 2-3 trucs, on devrait s'en sortir. Et on travaille que dans 2 jours. Bon, bah tant pis. Missing a utilisé slow off. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as utilisé ? Je ne sais pas. Genre, t'as mis un mode ralenti. Pourquoi t'as mis un mode ralenti ? Ah ! Excusez Missing, il teste les commandes. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je sens que ce live va être à un niveau de n'importe quoi assez élevé dans la même veine que ceux d'habitude. Je pense que ça va être du grand n'importe quoi. Et désormais, en mode lent, vous pouvez envoyer des messages toutes les 20 secondes. D'accord. Ça va trop vite. Non, mais d'accord, mais laisse parler les gens. C'est à moi de suivre. Hop. Je me disais, ça y est, il y a 200 followers, elle se sent plus. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'ai juste donné... Ah, ça y est, j'ai atteint le niveau 2 du jardinage. J'ai juste donné les clés de la maison à Missing et du coup, il teste les serrures, quoi. N'a pas réussi à germer. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la banane, elle germe pas dans le... Pourquoi elle veut... Alors, j'ai eu le même problème ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on peut plus planter les bananes dans les... ni les pommes dans les pots comme ça ? Je comprends pas, on pouvait avant. Ouais, j'ai peur de rien, je suis une aventurière. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'ils sont trop proches les uns des autres ? Attends, ma chérie, arrête-toi. Celui-là, on va le supprimer. Parce que j'ai réussi quand même à planter la dernière fois un pommier dans le bac. Du coup, je me demande si c'est pas parce qu'ils sont trop proches les uns des autres. Vas-y, planter. Non, la dernière fois, ça m'a fait pareil alors que les pots étaient à l'extérieur. Donc, c'est pas le problème de la serre. Non, bah, j'y arrive pas. C'est bizarre quand même. Je peux vous forcer à utiliser que des émotes. Faut les mettre dehors alors. Arrête de faire n'importe quoi, Missing, tu vas tout casser. Mais non, mais je crois que dehors j'avais eu le même problème. Attendez, hop, on va essayer dehors. Allez, lâche tout. Va planter la banane dehors. Attends, celui-là, on va le mettre à côté. Voir ce que ça donne. Ça devient n'importe quoi. Hein. C'était bien. Ah bah, c'était plus facile à lire, hein, je reconnais, hein, mais... Ah bah ouais, non mais c'est complètement con de laisser les arbres dehors. Genre, il n'y a pas d'arbres dans des serres. Non, peut-être pas remarqué. Je sais pas. Et si je le remets à l'intérieur maintenant ? Non, parce que... Ah bah non. Oh bah ça m'intéresse pas, ça va pas pouvoir... Allez hop.
Bon, bah du coup, on va pouvoir rajouter des bacs. Vu que je peux pas planter ce que je veux à l'intérieur. Ah non, pas comme ça, pas comme ça. Pas collé au mur. Et toi, pourquoi tu veux pas là? Ah, parce que j'ai plus de sous. C'est une bonne raison. C'est une assez bonne raison, je le reconnais. Oh non, c'est pas ça. Et hop, allez. Oui, j'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Et on travaille que dans 2 jours, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Tout arroser. Sur Discord ou Twitch, j'ai rafraîchi rien, je vois dans 10 minutes. J'ai l'impression que les plantes en serre, elles évoluent pas. Alors si, nous, hier dans le live qu'on a fait, on a eu des évolutions de plantes. Par contre, moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que dans la serre, j'avais jamais besoin de les arroser, j'avais jamais besoin de m'en occuper. Alors, est-ce que c'est les abeilles? Est-ce que c'est la serre? Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Mais en fait, j'avais absolument rien à faire dans... J'avais rien à faire dans la serre, quoi, quasiment. Donc, je sais pas trop encore si c'est fait exprès ou pas. Hop, abeille calme. Et là, abeille calme. C'est bien. On remettra une ruche par là, tiens. Et merci, Jalil Raptor, pour le follow. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Les abeilles, c'est un bug. C'est-à-dire qu'elles s'occupent de mes plantes comme ça? Ou que j'ai rien à faire dans la serre? Non, parce que moi, ça m'arrange, hein, mais... on a fini de s'occuper des plantes pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, ça? Fleurs de muffin. Bah, ça, on va aller en ramasser, on n'en a pas. Hop, tout récolté. Bah, il n'y en a qu'une, mais... Ah, mais tout, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un animal errant. Oh, un chat! Qu'est-ce que c'est, ça? Un tas de plumes. Ouvrir. Ah, et ouvrir. Non, laisse mon tas de plumes. Pourquoi t'engueules le chat, toi? Mais va-t'en. Une plume de héron, une plume de canard, une plume de canard, une plume de héron. Ok. Non, pour les Anglais. Les abeilles, c'est un bug. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le chat qui s'excite dans la plante. Je sais pas ce qu'il est en train d'attaquer, mais il est en train d'attaquer, hein. Oh, c'était un écureuil, non? Oh, j'avais jamais vu l'écureuil. Oh, il y a des plantes à ramasser. Qu'est-ce donc? Pommiers. Ouais, bah non, on va arrêter les pommiers, on peut pas les faire pousser dans la serre. Ça m'intéresse pas. Marguerite. Ah, c'est pour la saison pour les marguerites, a priori. Bon, bah alors tu vas aller planter ce que t'as dans ton machin et après on s'occupe de toi, promis. Du coup, j'ai dit que les herbes à chat, j'en voulais pas. Oui, parce que faut peut-être se concentrer un peu sur les fleurs quand même. Marguerite, allez, va la planter. Plume de corbeau, non, ça va pas se planter, ça. C'est quoi ça? Herbe à colère, non. Les bananes, du coup, j'en ai plus besoin. Muflier. Allez, vas-y, va planter. Puis les champignons, c'est bon, il y en a déjà. Et ça aussi. Hop. Allez, planter. Il se bat contre le hamster, il doit enfuir la maladie. Mais non, ce n'est pas mon chat. Et non, je ne prendrai pas de chat. Ni de chien. Ni de hamster. Rien. Je prendrai que des fleurs. C'est tout. Bon, quand on aura un petit peu de sous, on reprendra une ruche. Là,
tout arroser. Voilà. Un bébé non plus, non. Non, Luciole, pas de bébé. C'est bon, on va arrêter. De toute façon, si elle est fleuriste, elle va pas planter des fruits. Oui, bon, bah écoute, elle fait ce qu'elle peut, hein. Tu veux pas prendre une petite vieille pour lui faire faire l'escalade jusqu'à l'épuisement fatal. Ça, c'est moche. C'est petit, ce que tu fais. Désherber ou arroser des plantes 10 fois, c'est bien. C'est petit, c'est petit. Non, je ne veux pas. Un poney non plus. Une licorne, même pas en rêve. Un Kremlins. Mais c'est vous, les Kremlins. Donc, vous, je vous veux bien, mais... Oh, mais si elle meurt, la partie se termine. Bah oui, c'est pour ça. Ça me rappelle quelque chose, ça... La partie se termine parce qu'elle meurt. J'ai déjà connu ça. On va peut-être s'occuper d'elle, là, parce que... C'est pas la fête. Alors, tu vas manger, mon petit chat. Dîner... Pff, ouais, salade du jardin. Ah oui, elle est végétarienne aussi, je crois, c'est ça ? Faut que je fasse n'importe quoi. Oui, elle est végétarienne. Faut faire gaffe à ce que je lui fais à bouffer. Je l'ai mis adore la nature, bienveillante et végétarienne, et comme aspiration botaniste, indépendante. Donc, on va peut-être pas lui faire bouffer n'importe quoi, parce que je mets pas souvent végétarien, donc j'ai pas trop l'habitude. Oh, t'as une voix un peu bizarre, toi. Qu'est-ce que j'ai foutu dans le CS ? Marc, je crois que j'ai pas touché à ta voix. Peut-être pour ça, remarque. Je t'ai laissé telle qu'elle. Et pourquoi t'as une banane sur la table? Pourquoi donc? Bah tu mangeras la banane, écoute. Dans mon autre soberie, premier repas au resto, j'avais zappé, la pauvre elle avait dégusté. Ah oui, je me souviens. J'avais vu ta vidéo. Elle a une voix horrible. Oui, bon bah je vais peut-être aller modifier ça quand même, hein. C'est horrible. Et puis donc, elle se cure les oreilles et elle finit sa salade après. Normal, normal. Ouais, on ira peut-être changer sa voix à un moment donné parce que ça va peut-être me saouler, en fait. Dans ton challenge, il y a plein de trucs que tu zappes. Oh, bah ça arrive, la pauvre. Pourquoi elle a une banane sous la table? Oh, la coquine. Non, quand même. Peggy 12, hein. Je vous rappelle que c'est Peggy 12 comme jeu, donc on va se détendre. Alors. Merci pour le retweet, Ange. En plus, elle a pas une banane, elle en a trois, quoi. Elle a faim. C'est pour le goûter. Ensuite, les toilettes. Où sont les toilettes? Les toilettes sont là. Pourquoi il y a une litière alors qu'on n'a pas de chat? Allez hop. On va voir la litière. La litière, voilà. Allez, vas-y. Et donc, tu manges les bananes sur les toilettes, naturellement. Bien sûr. C'est des choses qu'on fait tout le temps, ça. La litière, c'est un signe. Non, 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 vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Je ne me mets pas en difficulté sur ce... Remarquez, c'est pas un challenge, hein. Si jamais je meurs ou si le chat me fait chier, je peux toujours supprimer le chien ou recommencer la partie, hein. Mais on lui a offert des bits, je ne sais pas. Juste des bananes. Après, je ne connais pas sa vie privée ni ce que lui offrent les gens. Elle va s'ennuyer, pense à son social. Bah, va parler à ses plantes. Hein, c'est le principe du jardinage, non? On trouve des bananes dans les toilettes parfois. J'aimerais bien savoir à quoi ressemblent tes toilettes, Missing. Non, mais laissez-moi manger ma banane toute nue sur la plage, bien sûr. Vous êtes complètement malade, hein. Non, elle va devenir folle, mais non. Oh, écoute, de temps en temps, il y a un arbre à... Ah non, c'est pas un arbre où on peut faire un pipi ou tout ça, ça, là-bas, non. Eh ben, écoute, je finirai bien par lui faire croiser un charmant jeune homme, et puis, de temps en temps, elle remontera son niveau. C'est tout.
toute façon, elle a qu'un lit, une place, donc on peut pas prendre de mari, on peut pas faire de bébé, on peut pas avoir de chat. De toute façon, ça griffe tout, les chats, c'est nul, ça va s'attaquer au mobilier, tout ça, c'est pas possible. Par contre, faudrait qu'on mette des vraies lampes à un moment donné, parce que ça va pas être possible longtemps. En plus, je suis dans la ville des animaux. Banana Split. Elle a les cheveux comme Ariel. Oui, voilà, en fait, c'est la petite sirène. C'est ça, j'aurais dû l'appeler Ariel. Remarquez, j'ai laissé son vrai nom. Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est le bambin de mon Let's Discover sur les saisons, en fait. Si ce n'est qu'au lieu de la laisser brune, je l'ai rendue rousse. Mais c'est la fille de Chantal et d'Indiana. Voilà, ça promet au niveau du QI, elle a un bon patrimoine génétique. C'est un futur prix Nobel. Ça, la fille de Chantal. Eh ouais. C'est la fille de Chantal. Bon, sauf que voilà, j'en ai fait une rousse parce que j'avais envie. Parce que j'aime bien. Elle s'ennuie. Et effectivement, son social empathie, mais enfin là, il n'y a personne. Alors, est-ce que peut-être il y a du monde au parc? Allez, viens marcher ici, voir si on croise du monde. Elle a la voix de Tic et Tac. Là, je l'ai dit au début, ouais. Bon. Chantal, je suis la seule que ça choque. Ah, mais c'est fait exprès. Attends, il y a du monde, là. C'est qui, lui? Bon, c'est un ado, mais ça va aller. Ah, je peux pas lui parler. Bon, bah non. Et qui, derrière? Présentation amicale. Je sais pas qui c'est, mais... Oh bah c'est une ado aussi, mais c'est pas grave. Bon, on va arrêter de marcher. On va lui parler, ça fera pas remonter ton... Eh oui, mais c'est un ado, j'ai pas dit que j'allais... J'ai dit que j'allais juste lui parler. J'ai pas dit que... Oh là là, faut qu'on aille changer sa voix. Ça va être horrible. Attendez. Attendez, je la laisse parler, je la laisse remonter son social et on va changer. T'aurais dû commencer en automne, elle aurait pu faire la fête de la récolte et récupérer des paquets de graines. Non mais c'est pas grave, après à partir d'un certain niveau de jardinage, je peux les acheter, les paquets de graines. Il est pas trop chou le petit chien qui court. Mais si, ils sont trop choux les petits chiens, mais je veux pas. Faut qu'on aille changer de sa voix. Je peux plus. Attendez. Attendez, on va reprendre à zéro, c'est pas possible. Je peux pas la laisser parler comme ça. Fille de Chantal ou pas fille de Chantal, tu peux pas avoir une voix pareille. Allez. Prévoir une tenue. Allez hop. Allez, c'est pas grave, laisse tomber le social. Dans la carrière, il te donne des paquets. Ah bon, bah ça va. Et un chien. Ah, il te donne un chien dans la carrière, bien sûr. J'ai été fermer ma fenêtre à minuit, un feu d'artifice, et me connaissant, je vais sursauter. Ah bah non, reste avec nous quand même. Allez, on va faire un petit tour dans le CS. Non, c'est pas possible. Ah, c'est mieux là. Vas-y, reparle. Ouais, c'est mieux. Elle est vendue. Alors, j'en profite, je vous montre toutes les jolies tenues que je lui ai mis. Alors, elle continue de tous les jours. J'en ai prévu 3. Voilà. La tenue habillée. Bon, j'ai pris un CC pour la tenue habillée parce que je trouvais que quand même, elle avait grave la classe. Pour faire le sport. Pour dormir. Pour si un jour elle se marie. Et pour aller se baigner, même si elle a pas de piscine. Si elle a chaud. Et si elle a froid. Allez, on est reparti. Non, mais je vais pas. Non, ça suffit. Ça suffit. Au pire, mets le trou de souris. Non, mais ça va pas. C'est plus vraiment des tenues de tous les jours. Oui, enfin, ouais. Oui, c'est un CC aussi, la robe blanche. Je l'ai trouvée. J'ai juste trouvé magnifique. Toute simple. Enfin bref, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'en vois des comme ça, vraiment beaux, je craque. Voilà.
Non, non, mais vous allez pas me faire prendre un chien, sans déconner. Ah, je la trouve magnifique, cette robe-là, vraiment. J'ai téléchargé cet après-midi et j'ai dit que ça irait très bien.